Matin, messieurs, bonjour et bienvenue sur SICA. Le Bénin a abrité du 28 au 30 mai 2019 la 36e session du Conseil des ministres du CAMES. Le plan stratégique 2015-2019 a été évalué. Des dossiers brûlants qui éclaboussent l'institution également. Passé au peigne fin. Professeur Bertrand Bachy, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir partagé, vous savez. Alors, vous êtes le secrétaire général du CAMES et c'est avec vous que nous allons donc faire le bilan de cette 36e session du Conseil des ministres et évaluer donc les perspectives de l'institution, surtout après l'adoption du nouveau plan stratégique 2019-2022. Mais avant, quel bilan se dégage au terme de cette 36e session du Conseil des ministres? Merci. Le bilan, c'est d'abord une forte participation. 15 ministres sur 19 pays, ce qui est une bonne chose. Une forte mobilisation également au niveau des experts et des conclusions qui sont assez pertinentes pour l'avenir. Nous avons, à l'occasion, comme il est de coutume, examiné les points soumis à l'ordre du jour. Et ces points soumis à l'ordre du jour alimentent, comme je le dis toujours, la réflexion des ministres. Et on peut dire que sur l'ensemble des points soumis à l'attention des experts, 98% ont été acceptés. Et dans le lot, il y a le plan stratégique qui a fait l'objet d'une évaluation interne et d'une évaluation externe. Les résultats de l'évaluation ont été présentés et ce sont ceux-là qui ont donné lieu au nouveau plan stratégique de développement du CAMES. C'est vraiment une source de satisfaction. Alors vous êtes satisfait parce que le plan stratégique 2015-2019 évalué a été adopté presque à l'unanimité. Mais aujourd'hui, oui, c'est vrai que l'institution amorce désormais une nouvelle ère à partir donc de cet instant avec le plan 2019-2022 qui sera bientôt mis en œuvre. Et comme je l'avais dit, il y a quand même eu des dossiers qui ont éclaboussé l'institution ces derniers jours. On parle de l'affaire du plagiat, on parle de l'affaire de fausse co-direction. Est-ce que le Conseil en a débattu également? Oui, le Conseil a saisi cette opportunité pour réagir en profondeur parce que vous aurez déjà constaté que depuis que il y a des échanges sur la place publique, le CAMES ne s'est jamais exprimé parce que pour nous, il s'agit des affaires en cours et déjà divulguer des affaires en cours constitue un manque de délicatesse. Donc de manière officielle, nous n'avons jamais pris part à ce débat. Et on ne pouvait pas rater l'occasion du Conseil des ministres qui est en fait le commanditaire de tout le travail qu'on fait en amont. Ce sont tous les juges. C'est un autre type de juge. C'est pas un tribunal, mais c'est un autre type de juge académique. Donc eux, c'est à eux que la commission d'éthique et de déontologie porte les avis, des projets d'avis pour que eux, de manière sereine, puissent prendre la décision avec une main de fer, mais veloutée, et que leurs mains ne puissent pas trembler au moment de la décision. Alors, parlant de décision, elles ont été lesquelles par les affaires, par exemple, de la fausse co-direction? Bon, je voulais vous donner les informations de manière globale, mais de manière globale, tous ont écopé de la plus grande sanction. C'est-à-dire que pour certains, c'est la rétrogradation, pour d'autres, c'est ou de manière cumulative, la non-participation au programme du CAMES pendant
une durée maximale, hein, ou tout simplement l'incapacité de pouvoir porter des signatures, etc., etc. Donc voilà, toujours de manière maximale. On vous jugez cela maximal, mais professeur, entre-temps, cette information fuitée, mais pourquoi le CAMES n'a pas réglé en amont cette question-là et porté ça à la place publique? Vous savez, c'est une démarche. Ce sont ceux-là qui étaient à l'origine des faits et qui ont porté le problème sur la place publique. Nous, on n'avait aucun intérêt à porter ça sur la place publique pour avoir quoi? Surtout que nous n'avions pas encore jugé l'affaire. Celui qui devait juger l'affaire, ce ne sont pas les professeurs, les membres de la commission d'éthique et de déontologie, qui sont des éminents professeurs, pas comme on a voulu le faire croire que ce sont des petits professeurs, ce sont des éminents professeurs, des anciens ministres. Non, on n'avait aucun intérêt à porter cela sur la place publique. Nous avions intérêt plutôt à préserver l'information pour qu'elle arrive de manière pure au niveau des juges que sont les ministres pour qu'ils puissent se positionner. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que le CAMES sort grandi et que par rapport à ça, nous démontrons que le plan stratégique de développement qui a mis comme axe 1 le code d'éthique et de déontologie, est arrivé pour transformer le secrétaire général du CAMES, pour transformer les établissements d'enseignement supérieur et de recherche des pays membres. Alors, nous allons évoluer donc avec les perspectives désormais. Vous avez mis en place désormais le plan stratégique 2019-2022. À quoi est-ce que vous attendez dans les 3 prochaines années? Dans les 3 prochaines années, ce serait bien et exaltant pour nous de voir que tous les outils qu'on a mis en place lors du premier plan sont maintenant implémentés, deviennent des habitudes, ont un bon usage dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Prenons par exemple le cas du code d'éthique et de déontologie. Nous nous sommes dit que c'est un début et les réactions qu'on a vues des gens qui ont occupé la place publique pour distiller des mensonges, ces réactions sont dues à l'absence de cette culture-là. Donc pour nous, on se dit que dans le cadre du prochain plan, il faudrait que ça devienne une réalité. On doit tout concrétiser. C'est-à-dire, il convient que maintenant les ministères se dotent eux-mêmes d'un code d'éthique et de déontologie, que chaque université se dote d'un code d'éthique et de déontologie, et que nous puissions, parce que c'est une culture, nous puissions aider, faire des formations par rapport à la dimension code éthique et déontologie, et faire ressortir surtout le gain qu'il y a, le gain qui relève du fait qu'on pratique le code éthique et déontologie. Vous prenez donc les 7 actes du CAMES, 7 actes stratégiques du CAMES, qui ont été donc reconduits dans le cadre du nouveau plan. Vous les prenez, vous les déroulez, comme je viens de le dire, pour s'agissant du code éthique, et vous aurez donc la grande ambition que nous avons. Prenons par exemple la communication. Moi, j'ai toujours dit que la communication aide au changement. Il y a beaucoup de conflits qui peuvent s'arranger grâce à la communication. Il faudrait que chaque université se dote d'un outil de communication, hein, pour Et parlant l'échange de justement de connaissances. cette communication, il y a que au niveau du Bénin, par exemple, le ministère a souhaité qu'on accorde désormais une place importante au numérique. Est-ce que le CAMES va réfléchir dans ce sens vraiment? Mais ils sont en train de suivre le CAMES. Parce que l'axe 3 du CAMES, c'est le numérique. Donc, nous avons dématérialisé, tous nos programmes sont dématérialisés. Et c'est grâce au numérique qu'on participe d'ailleurs, le numérique participe d'ailleurs à la transparence, à la traçabilité des dossiers. On ne peut plus falsifier des dossiers pour venir au CAMES. Dès lors qu'on dépose des dossiers au CAMES, dans le numérique, par le numérique, ben, il n'y a plus, vous ne pouvez plus les retirer. Ils sont là, hein, ils sont infalsifiés.
falsifiable. Alors, professeur Bertrand Bachy, c'est entre autres perspectives. Qu'est-ce que vous avez de plus cher aujourd'hui, au sorti donc de cette 36e session du Conseil des ministres du CAPES? Vous avez de plus cher à l'endroit des autres pays, parce qu'on parle également des questions de financement, des cotisations qui peinent donc à être bloquées au fur et à mesure. Bien sûr. Vous savez que, comme on dit vulgairement, l'argent est le nerf de la guerre. Pour gagner cette guerre, il faut de l'argent au-delà de la volonté, de l'opiniâtreté qui est la nôtre de transformer l'Afrique par le savoir. Hein. Il faut un minimum de moyens, un minimum de matériel pour s'élever. Et par rapport à ça, nous avons envisagé d'augmenter les services du CAMES et de les faire connaître. Nous comptons aussi utiliser des méthodes innovantes de mobilisation de moyens, telles que contractualiser avec des personnes ressources qui s'y connaissent pour aller auprès des organisations internationales, vendre la maquette du CAMES, puisque maintenant nous avons une maquette. Au regard de nos résultats, hein, nous avons une maquette concrète de réalisation qui peut être vendue et ça pourrait également aider. Donc c'est un ensemble de schémas de ce genre que nous comptons envisager. Hein, et en termes de services, c'est des services autour des promus du CAMES, notamment, hein, qu'on peut accompagner pour aller au niveau de l'international, capter les financements internationaux grâce à leur technicité, grâce à leurs compétences. Merci donc à vous, professeur Bertrand Bachy. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CAMES. Et avec vous, on a fait donc le bilan de la 36e session du Conseil des ministres du CAMES qui s'est tenue du 28 au 30 mai à Cotonou, assortie de grandes résolutions, notamment celles liées à ces différentes affaires qui ont éclaboussé l'institution. Des sanctions les plus lourdes ont été prononcées, la rétrogradation et également l'interdiction de la signature des actes administratifs sur 3 ans pour certaines personnalités donc, de ces institutions universitaires. Merci encore une fois de répondre à notre invitation. Un plaisir partagé et renouvelé. À très bientôt sur SICA, c'était donc votre émission Entretien du jour.